que le feu est descendu. Merci parce que le feu est descendu, Seigneur. Merci parce qu'il va encore descendre. Merci, Seigneur. Nous te disons merci. En dépit de multiples combats que nous avons eus, toi, tu nous as fait grâce. Et nous en sommes sortis vainqueurs. Père, nous voulons t'écouter. Papa, tu m'as dit ceci. Ils te feront la guerre. Mais ils ne te vaincront pas. Ce soir, tu as besoin de cœur. Si nous sommes là, c'est pour dire à ce peuple que le premier autel dont Dieu a besoin, c'est notre cœur. Dieu est en train de bâtir une armée des adorateurs. Ce sont des adorateurs guerriers. Les gens qui se sont donnés d'abord eux-mêmes au Seigneur. Ne l'oubliez pas, mes frères et sœurs. Si nous sommes là ce soir, c'est parce qu'il y a un message. L'autel contre autel. Et ainsi parle l'Éternel. Boye elobi Yahweh. Il est en train de rechercher les cœurs. Azali koluka mitema. S'il y a des gens qui lui ont jamais donné leur vie. Soki ezana baye ba pesa ina mitema na bangote. Et qui sont là ce soir. Pe baza awa na poko na lelo. Je vous exhorte par les compassions de Dieu. Na lendi sibino na mawana nzambe. À lui offrir votre vie. Ya ko pesa ye bomo ina bino. Pour l'accepter comme votre sauveur et Seigneur personnel. Et bongo oyamba ye lokola mokbiki sipe mokonje na bino. Les temps sont durs. La Bible dit qu'aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Peut-être quelqu'un me dira-t-il. Moi, je l'ai déjà accepté. Maintenant, Dieu est en train de chercher des gens qui sont prêts à se coucher sur l'autel. Comme Isaac avait accepté. Lorsque son père était en train de le lier. Il a vu son père tenir un couteau dans sa main. Il a vu son père le prendre et le poser sur l'autel. Il n'a pas pleuré. Alléluia. Il n'a pas dit, papa, qu'est-ce que tu veux faire? Alobate, papa, ninyo lingo sala. Oh, mes frères et sœurs. Là, wana, Abraham a été en train d'obéir à Dieu. Azalaka ndeko to sanzambe. Pour qu'enfin toutes les paroles que Dieu lui avait données. Il ferait de lui une grande nation. Il rendrait son nom grand. Il serait une source de bénédiction. Ces choses allaient s'accomplir ce jour-là. Maintenant, dans nos églises. Pour cette nation, pona ekolo oyo, il n'y a que les adorateurs ezabe bagumba meli qui pourront amener la gloire de Dieu dans cette nation ou dans nos églises. Bangonde bako zongi sanke mbwanzambe na kati nekolo oyo to na mangomba na biso. Les gens qui vont réagir batoyo à l'exhortation de Paul. Oyo bakomi lengela pona kotosa malendisi ya Paulo. Je vous exhorte donc frères. On a lendisi bino boye bandeko. Offrir vos corps. Na kobonza banzoto na bino. Comme un sacrifice vivant. Lokola mbeka ya bomoi. Ne parlons pas comme tout le monde. Tolo baloko la batonion sauté. C'est l'heure de la consécration. Ezali ngonga ya komi bonza. C'est l'heure de la consécration. Ezali ngonga ya komi bonza. La vraie adoration c'est celle-là. Kogumba mela ya solo nde owana. Quand Jésus est venu. Tango Yesu ayaka. Le spirituel avait supplanter le physique ou le matériel. Molimo ekendaka likolo ya bonzoto. C'est
C'est ce qu'il dit à la femme samaritaine. Boyende alobi na mwasi mo Samaria. Dans Jean chapitre 4. Na mo Yohani mo kapwamine. Il dit l'heure est déjà venue. Alobi ngonga esi eye. Où le vrai adorateur. Wapi bagumba melia solo. Adoreront le Père en esprit et en vérité. Bakogumba mela papa na molimo pe na solo. Donc tout cela dont l'esprit a été régénéré. Bato oyo bango nyoso wana molimo ekoma sika kati na bango. Qui va être considéré comme étant l'autel de Dieu. Molimo oyo akozwa malokola etumbelo ya Nzambe. En d'autres termes, l'adoration se passe désormais dans un esprit régénéré. Elingi koloba magumba meli ezoleka sasayipi na molimo oyo moto ekoma sika. Pas à Jérusalem. Na Yerusalem était. Pas devant le puits de Jacob. Mais dans un esprit régénéré. Alléluia. Amen. Un esprit connecté à Dieu. La vraie adoration passe par là. Parce que mes frères et sœurs, l'heure a sonné. Où tout doit changer à nous. Le vrai sacrifice devrait être d'abord nous-mêmes. Nous-mêmes, nous nous offrons à Dieu comme jamais. Ce que chacun de nous doit faire. Seigneur, certes, je te connais depuis longtemps. Mais maintenant, tu es en train de rechercher les cœurs. Je m'offre un sacrifice pour ma famille. Pour mon église. Pour cette nation. Je me soumets à toi. Cette personne soumet sa volonté à Dieu. Moto oyo a kweisi mokano na ye na se ya mokano ensemble. Sa propre volonté. Koleka mokano na ye moko. Amen. Amen. Merci. Je veux lire un passage dans les Écritures. Na kotanga matengi moko na kati na makomi. Le Seigneur nous a surpris, le censel a été fait. Il est descendu parmi nous. Et va continuer à descendre. Alléluia. Amen. Nous sommes dans Genèse chapitre 12. La Bible dit, verset 7e, nous pourrons lire tout le chapitre à la maison. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Et il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Bethel et il dressa ses tentes ayant Bethel à l'occident et Aï à l'orient. Uta esika wana ye wana akumbami na ngomba ne bimelo na ngambo ya Bethel pe ayebi kocha batenta na ye oyezalaki na elalelo na moi na Bethel pe na Aï na elalelo na moi. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Acclamons la parole de Dieu. C'est quoi un autel? De façon simple pour que tout le monde comprenne cet enseignement. Prenons l'image d'une table qui était dressée et sur laquelle on venait déposer le sacrifice. Le temps nous manquerait de pouvoir parler ou de décrire ces choses partant du tabernacle. Où nous avions des grands hôtels. L'hôtel des holocaustes.
En d'autres termes, c'est là où on devrait obtenir le pardon ou la grâce de Dieu. Et le deuxième hôtel, c'était l'hôtel du parfum. Symbole de prière et de l'adoration. Ce n'est qu'un résumé que je suis en train de vous faire. Vous pouvez contacter la commission de presse et vous procurer de ce CD où on a parlé des hôtels en long en large. Wana ezana mokuse tozoloba bongo soki olingi ozwa malakiso na molai palaki kuna omoni batoyo basala ka mosala wana nde okozwa esika toloba na molai na makambo etali bitumbelo. Alléluia. Amen. Retenez deuxièmement ceci. Ya mibale bosimba boye. L'hôtel traduit les besoins de l'homme. Etumbelo yango etalisaka bosenga ya moto. Là où un homme résout dans son cœur de pouvoir bâtir un hôtel, ça traduit sa volonté, ça traduit son désir, ça traduit un certain besoin. Et si ka omoto azui mokano ya kotonga etumbelo wana yango ezotalisa posa ya motema na eto bosengeli ya bomoi na ye. Ce que la personne qui veut bâtir un hôtel à Dieu a en elle un désir ardent. Elle soupire après un besoin. Elle exprime cela par cet hôtel qu'elle va bâtir. Moto ya lingi kotongela nzambe etumbelo azali na mposa azana bosengeli moko pona kotalisa ngonde azotonga etumbelo oyo pona nzambe. Quel est ce besoin dans le cœur de l'homme? Bosenga yango na motema moto yango ne nini? C'est la question qu'on se pose. Pourquoi je dois bâtir un hôtel? Quel est ce besoin? Quel est ce désir dans son cœur qui brûle dans son cœur? Bon moto elingi ko sala etumbelo. Posa na ye bosenga na ye mabanzo na ye nini o ezotinda ye ko sala etumbelo? Ce besoin, c'est celui de voir Dieu se manifester dans sa vie. Bosenga ya moto ezali ete ana posa ya komona nzambe komimonisa na bomoi na ye. Voir Dieu se manifester non seulement dans sa vie, mais aussi dans sa famille, dans sa nation, dans son église et dans toutes ses entreprises. Alingi komona nzambe komimonisa na bomoi na ye, na libota na ye, na lingomba na ye, na ekolo na ye, pe na mayemanso ye akosalaka. Alléluia. Amen. Bien-aimés, vous allez vous souvenir que à l'époque de prophète Samuel. Balingami boko kundola makanisi teneleko ya mosakoli Samuel. Samuel ne comprenait rien. Samuel azaki kosusula te. Pendant ce temps-là, Israël était en train d'être vaincu par ses ennemis. Na tango wana bazolonga Israël na banguna na ye. Dans toutes ces guerres. Na mabele na ye nyonso. Donc c'était ce fut un moment où il s'est passé quelque chose. Ezalaka eleko oyo makambo mayike masalamaka. Israël s'était livré à l'idolâtrie. Isalaele amikaba na kosambela bikeko to binzambi nzambi. Servant d'autres dieux. Na kosalelaka binzambi nzambi. Jusqu'à ce que est venu le moment où Samuel a compris qu'il fallait bâtir un hôtel à l'Éternel. Kinongonga eyaki kokoka oyo Samuel asosolaka ete esengelaki atonga nde etumbelo mpo na Nzambe. Nous pouvons lire cela dans 1 Samuel chapitre 7. Nous lirons à la maison. Okoki kotanga na ndako na Samuel aliboso mokapo ya sambo. Et dès que l'hôtel de Dieu a été bâti, sima na ye kotonga etumbelo na Nzambe, Israël a commencé à remporter des victoires. Isalayele akomaki kozwa bilonga na bitumba na ye. Alors l'on exprime un certain besoin. L'on comprend que l'on doit bâtir les hôtels parce qu'il y a un besoin. Nous voulons inviter la présence de Dieu dans notre vie. Nous voulons inviter Dieu dans nos familles, dans nos affaires. Nous voulons voir sa gloire. Tozoso cela était ce qui motazo tonga etumbelo ezali ete alinga mona nzambe na bomoi na ye na libota na lingomba pe na makambo nyonso ye azo sala. On acclame le Seigneur. Tobeteli koloma boko makasi. L'hôtel, nous étions en train de dire, c'était aussi un lieu de communion. Tozalaki koloba etumbelo ezali esika ya boyokani to ya bosangani.
Un lieu d'alliance. Esika ya boyokani. Genèse chapitre 15. On veut faire alliance avec Dieu, on passait par l'autel. L'autel est aussi un lieu de secours. Bongo etumbelo ezalipe esika ya lisungi. Et un lieu de révélation. Pe esika ya emoniseli. Abraham a reçu une très grande révélation. Abalayama azwaka emoniseli ya monene. C'était Jéhovah Jiré. Ezalaki Jéhovah Jiré. Parce qu'il allait à l'autel de Dieu. Po azalaki kokende na etumbelo na Nzambe. Écoutez mes frères et sœurs. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à bâtir un autel pour Dieu. Moto nyonso te abengami kotonga etumbelo po na Nzambe. Parce qu'il y a des gens qui se demandent. Pwete zana bayike bazomi tu. Il y a encore un besoin aujourd'hui de pouvoir bâtir des hôtels. J'ai dit oui. Boni, lelo pe bosenga kotonga bitumelo ezali na lobi iyo. Cet enseignement, c'est Dieu qui me l'a donné. Il dit, va le donner à mon peuple. Malaki simaye zamba pesakinga koloba lakisango libota na ngai. C'est celui qui a la vraie révélation de Dieu qui peut lui bâtir un hôtel. Nani yango asengeli kotongela Nzambe etumbelo. Kaka moto yo azana emoniseli ya solo solo ya Nzambe yende abongi pona kotonga etumbelo. Sinon on va tomber dans le piège de la théologie. Sokite okokwe na motambo ya bonganga mayele ya makambo na Nzambe. Qu'il n'y a plus un autre sacrifice, nous disons oui, amen. Mais Dieu est dans les principes. L'autel est l'un des principes que Dieu a montré à l'homme pour pouvoir les rencontrer aussi. À part l'obéissance, à part la sanctification, les prières, mais il y a aussi un principe très important qui s'appelle l'autel. Aujourd'hui, les gens ont du mal à bâtir des hôtels à Dieu, c'est parce qu'ils n'ont pas la vraie révélation de qui est Dieu. Bato bazana koko soto mikakatanu ya kotongela Nzambe tumbelo pwete bazwina nu emoniseli ya solo te ya Nzambe. Le jour où tu comprends le Dieu que tu sais. Mokolo moye moko sosola yo Nzambe oyo salelaka. Qui il est? Qu'est-ce qu'il est capable de faire dans ta vie? Ye azana ni pe nini azana makoki ya kosala na bomoi na yo. Tout va changer. Nyonso ekobongwana. On ne va plus te demander. Okomi tuna lisusu te. De venir faire de sacrifice. Ya koya kosala mbeka. Car désormais ta vie sera une vie d'un bâtisseur d'hôtel. Devant des difficultés, tu vas comprendre que là il y a un besoin d'hôtel. Et que toi-même tu te rendras compte, mon frère, ma soeur, que tu auras beau prier. Tu auras beau gêner. Tu auras beau pleurer dans la présence de Dieu. Sans voir les résultats escomptés. Mais là, quelque part, si tu es un véritable bâtisseur d'autels, ayant la vraie révélation de Dieu, tu vas le faire. Alléluia. Amen. Devant les blocages. Devant les difficultés. C'est comme ça qu'Abraham va dire à son fils sur la montagne, Dieu va se pourvoir. Il savait que quand bien même il allait sacrifier son fils, Dieu allait le ressusciter. Nous avons besoin de telles personnes dans nos églises qui n'attendent pas la journée de parfum pour bâtir. C'est cela ce que nous sommes venus chercher en ces lieux. Dieu veut parler à nos cœurs pour nous dire ceci.
ce soir, un homme nouveau doit naître en nous. Une nouvelle femme doit naître en nous. Le bâtisseur des hôtels. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne vous entends pas. Alléluia. Amen. Si tu as la révélation, ça ne va pas te déranger. Ça ne va pas te faire mal. Parce que tu auras connu qui est Dieu. Quand on bâtit pour lui un hôtel, qu'est-ce qui se passe? Quelle est la gloire qui descend dans nos vies? Alléluia. Amen. Avoir la révélation de Dieu est une bonne chose pour ce temps. Et nous étions en train de nous poser une question pertinente. Cette question nous a aidé à situer à partir de quel moment l'homme a commencé à bâtir les hôtels pour Dieu. Nous disons que c'est lorsqu'il a été chassé du jardin d'Eden. Loin de la présence de Dieu, ayant ressenti ce vide, parce que sa communion avec Dieu s'était effritée, l'homme a ressenti un vide en lui. Cela qui naît l'idée de bâtir des hôtels pour Dieu. Parce que Dieu lui avait dit ceci. Et je te dis, le jour où tu mangeras des fruits de cet arbre, tu mourras. Donc tu seras séparé d'avec moi. Comme ça que pour revenir à Dieu, l'homme l'a fait à partir des hôtels. Ça c'est dans Genèse chapitre 4 avec l'exemple d'Abel et de Caïn. Wana ezali na Genèse mokapwamine na ndakisa oya Caïn na Abel. Je pense que ce petit résumé vous a ou nous a aidé à comprendre ce que nous avions fait ce soir ou ce que nous serons en train de faire. Je voudrais parler. Nakanisi te na mokuse bososoli makambo yo to kobanda kosala na pokwa na lelo to tobandaki kosala tant to yaki nesika. Ou dans notre vie de chaque jour. Acclamons le Seigneur. Tobeteli kolo maboko. Juste une petite pensée concernant l'hôtel et puis je passe à autre chose. Na pesa mo likanisi mususu na Italie etumbelo bongo to kolekanelo ko mususu. En hébreu, lorsque l'on parle de l'autel, les mots qui traduit ou la pensée de l'hébreu concernant l'autel, c'est abattre. Abattre comme en français. Abattre, égorger ou offrir en sacrifice. Donc, pour les Hébreux, quand on parle de l'autel, on veut parler d'une vie qui doit être sacrifiée. On doit abattre, on doit égorger. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, revenons à notre thème. Ce que tu zonga na mama na likambo na biso. Je n'ai pas le temps de vous parler de toute cette histoire que vous connaissez certainement bien. Ngonga ezate poto betali solo ya makambo boyebi malamu. Alléluia. Amen. Là, nous sommes au mont Carmel. Wana tozali na ngomba ya Carmel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne vous entends pas. Alléluia. Yoki binote. Amen. Élie dit ceci. Élie a le biboui. Le Dieu qui répondra par le feu. Zambé oyo akoyanola na moto. 1 Corinthiens chapitre 18 verset 19 et le suivant. Mokanda liboso ba konji mokapami sato bandana kitala tela zumi na mwambe bongo tokiti. Il dit
Alobi. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne du Carmel. Sangiselanga isasaipi isalayele mobimba nangomba ya Carmel. Et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté. Pe kamamine na tukumitano ya basakoli ya Baal pe kamamine na tukumitano ya basakoli ya Astarté qui mangent à la table du roi. Oyo baliaka de Jezabel. Na mesa ya mokonji mwasi Jezabel. Verset 21. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit. Ukapoya tukumi balé molongo ya tukumi balé na moko Élie abelemi pe alobi. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si Sebal allait après lui, le peuple ne lui répondit rien. Qui notango nini bokote pate panangambo nyonso soki yawende azanzambe bokende simana ye soki pe bala bolanda ye kasi libota bazongisi monokote. Voilà le verset qui nous intéresse, le verset 23e. Tala molongo etali biso molongo que l'on nous donne des taureaux. Que l'on nous donne des taureaux. Que l'on nous donne des taureaux. Qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux. Qu'ils les coupent par morceaux et qu'ils les placent sur le bois sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau. Et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu. Et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu. C'est celui-là qui sera Dieu. Le Dieu qui répondra par le feu. C'est celui-là le vrai Dieu. Est-ce que vous avez compris hôtel contre hôtel? Boyoki et tumbelo pona kokwei sabi tumbelo. Qui a déjà compris? Nani asa sosoli? Le Dieu qui répondra par le feu. Zambe oyako yanola na moto. C'est celui-là le vrai Dieu. Yende akondima malokola nzambe ya solo. Bien-aimé dans le Seigneur. Balinga mikati na nkolo. Écoutez cette déclaration. Boyoka maloba oyo. Dieu ne descend jamais dans la vie de quelqu'un, dans une église, dans une famille, sur une nation, s'il n'y a pas un point de contact. Boyoka, Zambe akokita te na bomo ya moto na libota na lingomba to na eklesia, soki eza na esika ya bokutani na yete. C'est là où il y a un point de contact. Eza esika oyo esika bokutani ezali. Et Dieu descend. Esika wana de Zambe akitaka. Élie avait compris. Élie sosolaka. Que pour ramener ce peuple à la raison. Pona kozongisa libota oyo na nzela. Parce que si nous connaissons le contexte, le peuple est en train de clocher des deux côtés. Tantôt il est avec Dieu, tantôt il est avec Baal. Alors que les prophètes de Baal bâtissent leur hôtel. Moi je veux bâtir le mien. Même si c'est le même hôtel. Et l'hôtel intervient. À partir du moment qu'on est en train de le bâtir par le sacrifice. Alors, hôtel contre hôtel. Et on doit voir maintenant. Après avoir bâti. Quel est le Dieu qui va répondre par le feu? Et ce soir, notre Dieu a répondu par le feu. Amen.
je n'entends pas, je n'entends pas. Oh, je n'entends pas. Il y avait déjà des hôtels en ces lieux. Mais notre Dieu a répondu. Leurs hôtels n'ont pas répondu par le feu. L'hôtel de Dieu a répondu par le feu. Quand le feu est descendu, nous avons vu le peuple se lever et venir sacrifier à Dieu. Parce qu'il avait compris que l'heure était arrivée. Le Dieu qui répondra par le feu. C'est comme ça que nous vous avons dit que la guerre des adorateurs était une guerre des hôtels. Là où le diable avait bâti ses hôtels, nous nous viendrons avec les nôtres. En commençant par démolir le sien. Et de bâtir les nôtres. Est-ce que nous comprenons cela? C'est ça, hôtel contre hôtel. Souvent nos prières restent inexaucées, mes frères et sœurs. Parce que nous laissons coexister des hôtels dans la vie. Dans à côté de l'hôtel de Satan, nous voulons bâtir les nôtres pour Dieu. Il y a même des gens qui n'ont même pas bâti des hôtels dans leur vie. Même pas pour leur famille. On prie. Nos prières ne sont pas exaucées, c'est bloqué. Ça, c'est Dieu, mes frères et sœurs. Parce qu'il n'y a pas des hôtels qui sont bâtis où nous avons laissé des hôtels coexister. Il faut commencer par démolir les hôtels de Satan. Pour les démolir, il faut les comprendre par la prière. Dieu doit nous faire comprendre quels sont les hôtels qui agissent dans nos vies, quels sont les hôtels qui agissent dans nos églises, quels sont les hôtels qui agissent dans nos quartiers, quels sont les hôtels qui agissent sur notre nation. Nous devons avoir la révélation. Oh, mes frères et sœurs, Gédéon ne savait pas que si Israël était en train de jouer devant les Madianites, il y avait quelques problèmes, il y avait un problème dans la maison de son père. Il était ignorant. C'est comme ça que Dieu a dit à Gédéon, renverse l'autel de Baal qui est à ton père. Esengeli na zela lo sambo zamba pesa biso emoniseli ya bitumelo ezana bomo ina biso na mabota na biso na quartier na balabala na biso yango wana kozanga koyeba Israel azalaki kokweya na bitumba liboso ya bamadiana nde zamba yebisi Gedeon banana nkobuka etumbelo ya nzambi zambi oezana ndako atatana yo esengeli zamba la kisabiso bitumbelo ya kala to banana nkobuka yango nde sima tokoyeba kotunga oyo ya nzambe pembe na yango. Vous êtes sereux, vous qui avez répondu au son de la trompette. Bozali bayebo yoki pe boyanoli na koyula na kelelo. Il y a 6 ans, Dieu a dit la guerre des adorateurs. La guerre des adorateurs est une guerre d'hôtel. Une guerre de sacrifice. Une guerre de Dieu. Mais nous devons prier, mes frères et sœurs. Il y a des choses qui sont bloquées dans nos vies. On a fait des déclarations de foi, ça ne change pas. Qu'est-ce que tu as fait ceci, cela, ça ne change pas. Christ dit, oui, je suis mort pour toi. Christ a lobi, il en a coupé là. Mais là, il te faut bâtir un hôtel. Discerne d'abord. Yo, so sola na yo. Quel est l'hôtel qui parle contre vous? Parce que Apocalypse nous fait comprendre qu'il y a des voix qui sortent des hôtels qui sont bâtis. Ezana mingongo ebimaka na bitumbelo oye tongama. Le monde des esprits en sait quelque chose. Vous allez vous souvenir, mes frères et sœurs. Le peuple de Dieu est un peuple distrait. Lorsque Balak a demandé
demandé à Balaam de pouvoir maudire le peuple d'Israël. Tango Balak ayaki kosenga Balaam ala kela mabe Israélé. Qu'est-ce que Balaam a fait? Balaam a salakandini. Il a commencé par bâtir des hôtels afin qu'à partir de ces hôtels, il puisse maudire Israël. Parce que le monde ne fait qu'imiter les principes de Dieu. L'hôtel nous introduit dans le monde des esprits. L'autel est de Satan. Lorsque l'esprit qui est invoqué n'est pas le Saint-Esprit. C'est un autre esprit. C'est comme ça qu'il disait. Quand vous lisez la phrase d'Elie, il dit le Dieu qui répondra par le feu. Il commence par un petit 2. Zambé oyo minuscule. Et pour terminer, il dit celui qui sera le vrai Dieu. Pona kosukisa wana nde andima mato ayebana Zambé ya solo. Le premier invoquer votre petit Dieu. Pona koloba. Et ça pona koyebisa bango bino bato liboso. Kombelela nan mwa Zambé na bino ya moke. Pale kultis petit comment ça na biso. Zambo yo che wana ezanza benin. Mais ils étaient flous. Il dit, le Dieu qui répondra par le feu. Minuscule. Qui répondra par le fait sera le véritable Dieu. Acclamons le roi de gloire. Acclamons le roi de gloire. Je n'entends pas. Acclamons le roi de gloire. Il doit y avoir un point de contact. Je disais que la puissance d'un hôtel dépend de la valeur du sacrifice qu'on y dépose. Allez. S'il vous plaît, n'attendez pas que dans vos églises, on vous enseigne, on vous donne un enseignement concernant les hôtels. Aujourd'hui, Dieu veut te dire ceci, à l'instar d'Abraham, il a bâti des hôtels à Luz, il a bâti des hôtels sur la terre promise, et il a même, il allait d'une gloire en gloire, de plus petit au plus grand, jusqu'à bâtir le plus grand hôtel, le mont Morija. C'est là que David a prié Dieu pour que la plaie puisse cesser. C'est là que Salomon a construit le temple de Dieu. Il avait compris. C'est que Dieu veut nous enseigner des choses. Ce que vous avez fait ce soir, est-ce que vous serez appelé le faire? Il faudrait qu'en nous soit construit, soit bâti un véritable hôtel pour qu'à notre tour, nous devenions des bâtisseurs d'hôtels. Dis bâtisseurs d'hôtels. Le véritable adorateur est celui qui connaît Dieu. C'est comme ça qu'il dit à la Samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Celui qui connaît Dieu n'aura jamais du mal à lui bâtir des hôtels. Toutefois, chaque fois que le besoin se fera sentir dans sa vie, hôtel contre hôtel. Toana bosengate balaki sabiso makambo likolo na bitumbelo. Posa na Nzambe ezalaki ete na kati na biso etumbelo moko etonga mabongo soki esalemi bongo biso moko tokokoma batongi ya bitumbelo. Nde esengeli kozala bomo na biso ya mikolo nyonso. Dieu a voulu qu'il y ait des hôtels pour nous permettre à rentrer encore en relation avec lui. Nzambe apesaki nzela ete bitumbelo ezala po epesa biso makoki ya kozonga na boyokani. Et avec le monde des esprits. L'hôtel peut être un objet, écoutez-moi très bien. Ça peut être une date d'anniversaire. Non, une date dans une famille. À cette date-là, il y a un malheur qui frappe cette famille. Ah, koki kozala mokolo oyo na kati na libota soki mokolo ane koki mabe moko to likama ekoya kana kati na libota songolo. On me dit, mais à quoi cela constitue un hôtel? Okoko tuna ngai likambo wana eza etumbelo na ndenge nini? Donc il y a des esprits qui sont en connexion avec cette date. Il y a un hôtel en connexion. Donc chaque fois quand tu as un malheur, on peut arrêter ça m'embête beaucoup hein.
Donc à cette date-là, il doit y avoir un malheur dans la famille. Elingi koloba ezakana milimo oyoba sangana kabakota kana sima ya mokolo wana na manaka po ba yakosala mabena kati na libota mokolo ya bongo ekoki kokoma lokola etumbe. On a du mal à discerner que on agit à partir d'un hôtel qui a été bâti quelque part. Moto azana bo koko soko so cela été misala ya mabe wana sale makauta etumbe le moko etiama esika songolo. Est-ce que nous comprenons cela? Nous étions en train de dire ceci. Que ce que l'hôtel est-ce que le carburant est pour une voiture? Etumbe lo ezalo kola oyo. Vous pouvez avoir une belle voiture, s'il n'y a pas de carburant, elle ne va pas rouler. Et l'ennemi pour envoûter nos familles, nos quartiers, se sert des hôtels. Monguna po aloka mabota na biso ba quartier ba balabala na biso asalela kabitumbelo. Il bâtit, c'est à partir de ces hôtels là qu'il peut envoûter, qu'il peut lancer de très maléfiques aux familles, aux quartiers, et que sais-je encore. Et où t'habites-tu, Melowana? Ne pas que tu colloques ma botte et tout cas songolo comme une songolo. Hôtel contre hôtel. Et tout Melo pour na kokwe isabitu Melo. Faites aussi dire ceci. Elingi pelo baboy. Tu ne peux pas bâtir un hôtel pour Dieu sans démolir les autres hôtels existants. Okoki kotongela nzambe et tout Melo te kozanga kobuka nanu bitu Melo ezala kiliboso na yango. Dans certaines familles. Na mabota maike. Ou dans certaines vies. To na bomo ya bato mosusu. Voilà ce que le diable a fait. Tala o satana sala. On y trouve la magie. Il y a des gens qui ont pratiqué la magie. Il y a eu des sorciers dans cette famille. Il y a eu soit nos parents ou nos grands-parents qui étaient dans l'occultisme. Dans le secte religieuse. Il y en a eu qui vivaient dans l'idolâtrie. Qui avaient des statues dans leur maison. Il n'y a pas de temps pour rentrer. Alléluia. Amen. Des amulettes. Alors que ces choses dans Deutéronome, ce sont des interdits. Dieu a dit qu'il n'est pas chez toi quelqu'un qui fasse passer un autre par le feu. Quelqu'un qui pratique de la magie. Ces choses attirent la colère de Dieu. Et voilà que maintenant, après que ces choses aient existé, aient été pratiquées dans nos familles, ça a leur impact dans nos vies. Ces impacts sont nocifs. Ça nous crée des problèmes. Il y a des blocages. Les hôtels qui ont été bâtis parce qu'il y a la sorcellerie. Qu'est-ce qui se passe? Là où il y avait toutes ces choses, alors on commence à bâtir des hôtels. On dit, ça c'est un hôtel de chômage. Les gens peuvent beau étudier, à la fin ils n'ont pas d'emploi. Ou ils n'ont pas d'emploi stable. Lorsqu'ils commencent à travailler, c'est fini. Ils sont remerciés sans raison et ça devient récurrent. Ça devient récurrent, on ne comprend pas. Soit c'est une certaine instabilité. On n'a jamais été stable. Lorsque vous lisez l'histoire de votre famille, vous l'examinez de plus près, vous allez vous rendre compte qu'il y a une certaine instabilité. Les gens commencent très bien leur vie. Ils sont, les hommes d'affaires, les hommes et femmes qui font le business, mais au bout d'un certain moment, tout s'estompe, ça s'arrête là. Ils meurent pauvres. Il y a des hôtels de stérilité. Des gens qui peuvent se marier, mais qui ne vont pas avoir des enfants. Parce que le parent, les grands-parents sont allés contracter un pacte avec le diable. Ils ont bâti des hôtels en disant que ici nous acceptons, ils peuvent partir, mais ils ne vont jamais avoir des enfants. Si on ne discernait pas ces choses et rentrait en guerre, en commençant par démolir ces hôtels, rien ne changera. Il y a aussi d'autres hôtels, c'est l'hôtel du célibat. Mes frères et sœurs, vous pensez que la plupart des gens qui ne se marient pas dans nos églises, c'est parce qu'ils n'ont pas d'argent. Ce n'est pas seulement un problème d'argent. Vous pouvez parler, vous avez travaillé, vous faites ce que vous voulez faire. Mais il y a un hôtel qui doit être discerné.
Il y a un hôtel, quelqu'un qui avance en âge et qui n'arrive toujours pas à se marier. Le mariage dans cette famille, c'est un problème. Les hôtels ont été bâtis. Il y a un autre hôtel, toujours dans nos familles. C'est l'hôtel de la pauvreté. Oh là là. Lorsque vous regardez votre famille, vous pouvez pleurer comme Gédéon, qui disait que ma famille est la plus pauvre à Manassé. La plus pauvre. Je suis un homme équilibré, mes frères et sœurs. Je connais la puissance de la croix, mais j'accepte aussi, parce que Dieu me le demande de le dire, qu'il y a des hôtels qui doivent être renversés. Regarde à ta vie. Peut-être que tu es la seule personne à émerger dans ta famille. Regarde bien ces choses et lève-toi. Hôtel contre hôtel. Je ne sais pas si tu as posé ta vie dans ce panier. Et moi j'ai dit à l'église, ce sacrifice on va le prendre. J'irai le donner à un autre serviteur qui craint Dieu et qui est un homme de prière. Nous devons perdre. Parce que c'est un hôtel d'adoration que nous voulons bâtir en ces lieux. Est-ce qu'on entend ça? Amen. Oh, est-ce qu'on entend ça? Amen. Bande konakati na mabota na biso bakoko na biso basala boyoka ni batongela binzambi nzambi bikeko babitumbelo sikoyo misala na yango ezomonana na nzela kozanga kobala na nzela kozanga kobota na nzela kozanga kobonga kofungwa mana makamu bato babandi bomo imalamu kasi okomone te simatangu makambo ezokende lisuli bosote esengeli to sosola ete tondi makayete Kristo akufela biso eza ya solo kasi makambo ezotambola te nzinga nzinga ezana bitumbelo ya kala oye tiyama oye sengeli kobukana soke bukanite misala na ngwe ekokoba komona na kati na bomo na biso pe na makati na mabota na biso. Le temps, je dois m'arrêter mes frères, il y a beaucoup à dire mais je dois m'arrêter. Mais écoutez ceci, boyo kaboye, il y a aussi certaines personnes, ça peut être dans nos familles ou dans l'église, ezape batumusu ekoza na mabota na biso to na mangoma na biso. Comme ici à la PC, nous avons eu à rétablir notre alliance avec Dieu. Lokola a na PC to zongisa ki boyokani na biso. Tous les serviteurs de Dieu étaient là. Basal na nzambe nyonso bazalaki a. En commençant par moi-même jusqu'au plus petit. Bandana ngai moko kino na oya moke. Seigneur, je suis tombé dans l'adultère, je suis tombé dans le flirt, je suis tombé dans la masturbation, dans le vol, dans la sorcellerie. Et on venait de confesser ici. On a dit, c'est fini, on bloque cela. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Et le cœur était ouvert. Chacun. J'étais là à partir de 22h, donc de 22h jusqu'à 5h40. Quelle délivrance, regardez-moi ce qui se passe. Il n'y a pas eu de spot à la télé, c'est la vie de l'église qui renaît. Parce qu'on s'est dit, 500 ans après la réforme de l'église, qu'est-ce qui est resté dans l'église? Alors je disais qu'il y a des gens qui peuvent faire aussi semblant. Non, ils se sont réconciliés avec Dieu. Ils ont fait une alliance, mais ils gardent leurs histoires dans leur cœur. En train de détruire à petit feu. Écoutez ce que Dieu m'a fait comme révélation. Là, nous sommes dans la nuit de lundi à mardi. Il a parlé aussi des hommes qui bâtissent les hôtels en silence. C'est-à-dire quoi? Vous voyez un frère, il est calme, même une sœur, très calme. Vous ne pouvez pas soupçonner que c'est lui qui fait du mal à l'église. Mais nuit et jour, c'est lui qui maudit l'église. Moi je ne savais pas ça. Il dit ça se passe comme ça. Quand tu le vois en face, tu ne peux rien soupçonner. Mais dès que tu le reçois, maman Anne, hein? Est-ce qu'ils a bien? En tout cas, il faut tout sembler pour nous. Vraiment, dans un souci, dans le quotidien. Vous pensez
que la personne a le fardeau, alors que c'est une façon de maudire l'église. Directement, toi, tu ne considères plus la sœur Julie. Il y a une barrière. Quand tu la regardes, quand il n'y a pas l'unité, qu'est-ce qu'elle a dit? Rassembler le bois. C'est quoi? C'est le peuple. Toutes les acclamations du peuple attirent la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Tout altar, lorsque Amen. Le peuple a acclamé, Amen. Ça attirait la gloire de Dieu. Amen. On doit réunir les bois. Et Dieu n'agit que là où il y a l'unité. Toi, tu penses qu'il a les soucis de l'œuvre. Il maudisse l'église nuit et jour. Ce sont des hôtels. Alors là, le diable a une autre stratégie. Celle de vous faire ignorer qu'il y a des hôtels dans votre vie. Oyo ya ko salete bo zanga ko yeba ke na bomo na bino bitumbele mosue ko ti ko za. Et là vous avez la Bible devant vous. Oza na Bible liboso na yo. Qu'est-ce qui nous a racheté de la malédiction de la loi? C'est vrai. Ah somba biso na bilakele mabe ya mobeko eza bongo. Christ a fait ceci cela, c'est vrai. Christ a sala boye po na biso eza bongo. Mais pourquoi il y a la parabole du jeune homme riche? Hein? C'est lui non? Et le pauvre Lazare, vous comprenez? Oui. Lazare était qui? Lazare azala nani? De Dieu non? C'est dans le Nouveau Testament. Amen. N'est-il pas mort pauvre ou non? Oui. Hein? Akufa mobola. Bon, ya no langa te. Akufa mobola te. Oui. Mais c'est normal. Et longo bani. Il y a une différence entre ce que je crois et ce que je vis. Ezana bokeseni na katina o na ndimaka pe o na zobika. Je crois que la parole est vraie. Je crois que Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Je crois. Mais je vois ça comme problème. Je dois discerner l'hôtel et commencer à bas, à combattre. À démolir ces hôtels pour en bâtir d'autres. L'ignorance. Je ne voudrais pas que vous découvriez les hôtels qui sont bâtis. Ce sont là ces stratégies. Alors tu regardes la famille comme ça, c'est tout un problème. Lorsque quelqu'un est malade, s'il faut le transférer, je ne sais pas moi, il faut l'amener ici, qu'il aille pour des soins. En Inde ou on vous dit, il vous faut 7000 dollars. Il n'y a pas dans cette famille. Ce qu'il y a un problème. Il y a un prophète qui est mort dans la Bible. Qui a laissé derrière lui beaucoup de dettes. L'heure a sonné. Ngonga ekoki. Où nous devons démolir les hôtels pour en bâtir d'autres. Que Dieu vous bénisse. Hôtel contre hôtel. Hôtel contre hôtel. Le Dieu qui répondra par le feu. C'est lui le véritable Dieu. Alors, comment se bâtit cet hôtel d'adoration? Le feu doit descendre. J'ai aimé les bien-aimés qui sont venus ici. Qui nous ont déjà précédés et le feu est descendu. Le feu, c'est quoi? C'est la présence de Dieu. Lorsque tu fais un sacrifice, tu dois ressentir la présence de Dieu. Excusez-moi, je dois me déplacer de ma chair. En principe, dès que tu te lèves de ton lieu où tu es assis, en faisant cet acte, vous serez en train de voir les gens tomber. Synonyme que Dieu, le signe que Dieu a agréé leur sacrifice. C'est comme ça qu'il dit, le Dieu qui répondra par le feu. Il y a eu un point de contact. Est-ce qu'on a compris? Amen. Je m'arrête là. Na sukiwana. Il y a eu beaucoup de choses à vous dire, mais je préfère m'arrêter ici. Makambo akolobeza ebele kasi na kanisi kotiki osuka awa. Est-ce que je peux vous demander 10 minutes?
Sinon on part, il n'y a pas de problème. Ce qui je peux vous demander 10 minutes pour qu'on détruise les hôtels que nous avons découverts ce soir. Comme il y a sa grâce, quelque chose va se passer maintenant. C'est peut-être l'impudicité dans votre famille. L'inceste. Kindumba, oto ndeko mwa sina ndeko mobali bazo sangana to bazo bimelongo. Vous êtes là avec moi? Amen. Oh, je ne vous entends pas. Vous êtes avec moi? Est-ce qu'on peut l'acclamer de l'autre côté? On peut l'acclamer beaucoup plus fort. Hôtel contre hôtel, au nom de Jésus. Hôtel contre hôtel, poussant des cris de joie vers l'Éternel. Nous nous tenons debout. Je disais que le plus grand hôtel, c'est la croix du calvaire. Ezali ekulusu na Golgotha. La première des choses à faire ce soir, c'est que nous lançons un appel à tous ceux-là qui n'ont jamais accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur dans leur cœur. Ce soir, tout doit changer dans ta vie. Tu dois arrêter cette vie de péché. En disant, Seigneur, je viens à toi de tout mon cœur. De toute ma vie, de toute ma force. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. La deuxième chose, pour ceux-là qui sont chrétiens, nous le faisons au même moment. Je serai en train de vous arrêter pour... comment vous dire ce qu'on doit faire par la suite. Parlons au Seigneur. J'invite maintenant ce lieu tous ceux-là qui peuvent être soit à l'intérieur, soit dehors, qui veulent venir, qui veulent s'approcher ici, venir ici devant pour donner leur vie à Jésus Christ, qu'ils viennent. Vous êtes là, venez. Il y en a. Venez, venez, n'ayez pas peur. Pendant que nous les autres qui sommes restés, nous sommes en train de nous consacrer à Dieu. Seigneur, je veux me consacrer pour le sanctuaire. Afin que toutes les paroles, les promesses que tu as faites sur cette maison puissent s'accomplir. Merci mon frère, tu peux t'agenouiller. Tu as fait danser les gens de ce monde. Tu as fait danser les gens de ce monde. Oh, la gloire de Satan. Merci que Dieu ait parlé à ton cœur. On peut suivre l'exemple de ce bien-aimé qui arrive. Ma soeur, Dieu t'attend. Tu peux venir aussi. C'est... Nous tous ici, nous avons commencé par là. Venez. Ne les regardez pas. Vous continuez à prier. Priez Dieu. Dis Dieu, je me couche sur l'autel. Je viens m'offrir en sacrifice. En holocauste. Pour que la gloire de cette maison puisse briller comme le soleil en plein midi. Je vais restaurer l'autel d'adoration dans cette église. Pour cette nation. Commence à prier tout le temps. Banda ko sambela to bandi ko sambela biso nyonso. Ikenba de chicken brawl pension.
Parle à ton Dieu, mon frère, ma soeur. Parle à ton Dieu, il cherche des cœurs. Dieu a besoin des cœurs ce soir. Mon frère, ma soeur, on t'attend ici devant. Viens, Dieu t'attend. Dieu a besoin de toi, viens, nous t'attendons. Prends courage comme les autres, viens, merci. Merci, merci. Merci. Approchez-vous, l'Éternel vous attend. Alléluia. Merci, ma soeur. Tous ceux-là qui veulent renoncer aux vies, à la vie du péché, venez. Ils veulent dire non à Satan, venez. Venez. Venez ici. Merci, mon frère, pour ton courage. Merci, ma soeur. Venez, venez, vous êtes nombreux. Le Saint-Esprit a parlé à vos cœurs. Venez. Venez, venez ce soir. Les vies doivent changer. La Bible dit. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Ça ne sert à rien. D'après ces cultes, tu as y répondre à un rendez-vous. Un rendez-vous qui va t'amener dans le péché. Dieu est contre le péché sous toute forme. Venez, venez vous prosterner devant lui. En lui disant, Seigneur, j'ouvre pour toi mon cœur. Priez comme ça. Dites à Dieu, j'ouvre pour toi mon cœur. Dites-lui, Seigneur, j'ouvre pour toi mon cœur. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Venez, vous êtes nombreux. Venez. Le Saint-Esprit parle à vos cœurs. Venez donner votre vie au Seigneur. Arrêtez avec le péché. Jésus-Christ revient bientôt. Le premier autel, c'est l'autel de notre vie. Arrêtez avec la fornication. Voici l'heure de la consécration à sonné. Qui se couchera sur l'autel? Pour dire à Dieu, mais voici, je me consacre, je me sacrifie pour qu'enfin tu délivres cette nation. Hôtel contre hôtel. Mais bien aimé, le temps de la grâce a sonné. Le temps de la grâce a sonné. Approchez-vous de Dieu. C'est l'heure des vrais adorateurs. Dieu est en train de bâtir une armée d'adorateurs. Il dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Dieu est esprit. 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 Il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Cette maison vient de revêtir une nouvelle robe. Cette maison vient de revêtir une nouvelle robe. Cette maison vient de revêtir une nouvelle robe. Et des hommes et femmes nouveaux sont en train de naître. Des bâtisseurs d'hôtels. Le Dieu qui répondra par le feu. Alors mon frère, consacre-toi maintenant. Consacre-toi maintenant. Il y avait une lutte dans ton cœur. Tantôt tu aimais Dieu. Mais tantôt il y avait le monde. Mais bien aimé, quelque chose se passe.
Quelque chose se passe. Concentre-toi et le feu va descendre. Concentre-toi et le feu va descendre. Concentre-toi et le feu va descendre. Le feu va descendre. Le feu va descendre. Concentre-toi. Le sacrifice que Dieu attend ce soir, c'est d'abord nos vies. C'est d'abord la consécration. Tu verras la présence de Dieu descendre sur toi. Si réellement tu t'es offert toi-même en sacrifice. Prie. Sambela, sambela. Dis à Dieu. Je suis là. Nazaliawa. Dis à Dieu. Me voici. Gayeyo. Dis à Dieu. Je viens me coucher. Na yeko lala. Sur l'autel. Nikola ne tumbelo. Parce que j'ai compris. Kwa ete na sosoli. Que le premier autel. Ete mbeka yaliboso. Le premier autel. Tumbelo yaliboso. C'est mon cœur. Eza motema langa. 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 Où sont les cœurs? Wapi mitema? Qui se considèrent comme des autels? Oyo ekomi bitumbelo. Qu'ils s'élèvent. Etelema. Et fassent descendre le feu. Pe moto kokita. Abori abosu pende baria koko baria kani. Chukanda basaka baria kori abasuri. Open Kenu Shiken Glory. Sambela, Banako Sambela, Fogola Motemanayo, la Kambaria Korea Bashun. Zambe Naina ko changé intercession. Amen. Naina ko changé adoration. Amen. Naina ko changé église d'Abisso. Amen. Ma promesse union sociale qui n'a pas oyo. Amen. Et Sengelie Kokisama dans Zela Nangaï. Amen. Naligina Zala Hotel Nayo. Amen. Hôtel et adoration. Amen. Pour utiliser Kangai. Amen. Bien-aimé, ceux qui ont mis Pessi Mopimba, Moto Yanzambe Kokita, Moto Yanzambe Kokita, sacrifice aux Zambazoza la Napoko Alelo, et Zanan Mitema Nabiso, Mitema Nabiso, Mitema Nabiso, et Sengeli Kanda Elomana Mitema, et Sengeli Zua Elomana Mitema, Koina Ebimana Motema, Telomola Oya Mapena Mitema, Oya Vashikendo Wari Atosheke. Ozana batoyo solisakate. Ozana batoyo solisakate. Ozana batoyo kangela lizita nakati na mitema na yo. Oligi kolibi sate. Zambazo lobela yo. Nakanda boshu kende hori yabashi kende lor. Le Dieu qui répondra par le feu. Hôtel contre hôtel. Botonga yabino. Totala soki moto kokita. Bisepeto kotonga yabiso. Hôtel contre hôtel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui le véritable Dieu. Oh my God, oh my God, tu aimes Dieu, mais il te manque la consécration. Tu aimes Dieu, mais il te manque une véritable consécration. Tantôt tu as le souci pour ta vie. Tu te dis, Seigneur, je te sers. Mais regarde, occupe-toi d'abord de moi-même. Ce n'est pas une bonne consécration. Dieu parle à ton cœur. Tu peux te consacrer pour son serviteur. Et dire, Seigneur, il y a des choses que tu lui as dites qui doivent s'accomplir. Hôtel contre hôtel. Nous pouvons nous tenir debout maintenant. Maintenant que nos cœurs sont là. Nous allons acclamer le Seigneur. Acclamons très fort le roi. Poussons des cris de joie vers le Seigneur. Poussons les cris de joie vers le roi de gloire.
Ok. Maintenant que tu as compris, ça s'est bien tout sosoli. Par la foi, la condima. Lève-toi. Téléma. Et renverse les hôtels. Quoi ça bitumbe l'onyoso. Démolis les hôtels. Bandako buka bitumbe l'onyoso. Construis par les parents. Oye tonga mana baboti na yo. Les hôtels qui crient contre toi. Bitumbe lo e bouti sakayo. Alors on y va, on y va, on y va. On y va, que ça bouge. Que ça bouge au nom de Jésus. Que ça bouge au nom de Jésus. Il dit, je vous ai donné. Que ça bouge au nom de Jésus. Allez-y, allez-y, allez-y. Ça doit bouger, allez-y. Renverse cela au nom de Jésus. Allez-y au nom de Jésus. Bandako buka yango na kombo na Yesu. Ekweya. Renverse cela. Et pas à la nuance. Renverse cela. Kweya na kombo na Yesu. Renverse cela. Bandako kweisa yango. Bandako buka yango. Renverse cela. Bandako buka yango. Renverse cela. Bandako buka bitumelo nyoso akala. Renverse cela. Oyezo konyoko la bomo inayo. Renverse cela. Elongo la kakimia. Renverse cela. Oyezo sala kobongeza la te. Renverse cela. Kweya nyoso. Ebukana. Renverse cela. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Il dit regarde. Na kombo na Yesu. Je t'établis aujourd'hui sur le royaume et sur les nations, afin que tu arraches et que tu ébattes, yes. Que tu ruines et que tu détruises, que tu plantes et que tu bâtisses. Renversons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tous les hôtels de la sorcellerie dans nos vies, dans nos familles, nous renversons ces hôtels. Nous renversons ces hôtels au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que ces hôtels tombent, que ces hôtels tombent, que ces hôtels tombent, les hôtels de la sorcellerie. Christ est venu pour libérer les captifs. Nous renversons ces hôtels, nous renversons ces hôtels, nous démolissons ces hôtels, ces hôtels de l'unité. Ces hôtels de stérilité, ces hôtels de stérilité, ces hôtels de célibat, ces hôtels de chômage, ces hôtels de chômage, que ça puisse tomber, que ça puisse tomber, que ça puisse tomber, que ça puisse tomber, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que ça puisse tomber, au nom de Jésus, que ça puisse tomber, que ça puisse tomber, les hôtels de divorce, les hôtels de divorce, dans nos vies. Stabilité. Je viens briser tout hôtel de stabilité. Je viens briser tout hôtel de stabilité dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les hôtels de stabilité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les hôtels de stabilité. Les hôtels de stabilité. Les hôtels de stabilité dans ma vie. Que ce sera spirituel. Tous les hôtels dans les rues. Des prisons. Galerie Kalieba. Tebou Kalieba. Kalieba doit être celui-ci. Je renverse ces hôtels de religion. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez, Bouka, Bouka Yango, Bouka Yango, la Bible dit, j'ai livré mon dos, j'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, j'ai livré mon dos. La combona Yesu. La terre et ce qu'il a renfermé appartiennent à notre la Dieu. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient. Oui. Le labourer, hey. On labourait mon dos, oui. Par ton sang, oui. Qui est sorti de ton dos. Maintenant, toujours des chèques brisés dans ma vie, Obuka dans mon couple, Fibona, dans cette église. Ebukana, toujours que ces hôtels tombent, que ces hôtels tombent, que ces hôtels tombent, que ces hôtels tombent. Au nom de Jésus, que ces hôtels tombent, que ces hôtels tombent. Au nom de Jésus. Nous allons maintenant renverser
Ceux qui sont dehors peuvent prendre la terre là. Vous parlez, vous dites cette terre appartient à Dieu. Si vous ne voulez pas, vous pouvez marcher sur elle. Vous dites la terre de Ngaliema appartient à Dieu. La terre de cet endroit appartient à Dieu. Que tous ces autels soient renversés. Les autels des esprits des eaux, les esprits religieux, toutes les divinités, nous allons renverser cela. Allons, au nom de Jésus, on y va. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous renversons, nous renversons. Cette terre est à Dieu. La Bible dit, la terre et ce qu'elle renferme appartient à Dieu. La terre et ce qu'elle renferme appartient à Dieu. Au nom de Jésus, cette terre appartient à Dieu. Kaliema appartient à Dieu. Cette terre appartient à Dieu. Cette terre appartient à Dieu. Kaliema appartient à Dieu. Cette terre appartient à Dieu. Au nom de Jésus, cette terre appartient à Dieu. Il doit y avoir des grandes églises. Les gens de Ngaliema doivent prospérer. Les gens de Ngaliema doivent prospérer. Prospérer à tous égards. Les gens de Ngaliema doivent prospérer. Prospérer à tous égards. Cette terre de la rend fertile. Cette terre est fertile. Cette terre est fertile. Car il est écrit, la terre et tout ce qu'elle renferme appartiennent à Dieu. Appartiennent à Dieu. Cette terre est à Dieu. Je viens détruire tous les hôtels dans ces avenues, dans ce quartier, dans des maisons. Je te dis, cette terre à Dieu. Je te dis, Kaliema à Dieu. Je te dis, RTC à Dieu. Je suis en train de la dédier à Dieu. Je proclame que Jésus est Seigneur sur cette terre. Jésus est Seigneur sur cette terre. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, ces pieds ont été transpercés. Ces pieds ont été transpercés. Ces pieds ont été transpercés. Afin que cette parole s'accomplisse. C'est la postérité de la femme. Oui, et qui t'a le la moi si. Toi, tu lui blesseras le talon. Oui, et il t'écrasera la tête. Alléluia. Nous déclarons que cette terre, oui, nous renversons les autels des religions, de l'idolâtrie. Nous renversons cela. De la magie, du fétichisme, partout par où les autels ont été érigés. Que ces hôtels tombent. Que ces hôtels tombent. Que ces hôtels tombent. Au nom de Jésus. 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 Nous renversons ces hôtels. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus-Christ est là. Les portes sont en train de s'ouvrir. Oui. Les portes sont en train de s'ouvrir. Les portes sont en train de s'ouvrir. Oh, nous avons nos mains levées. Je sens le monde de ténèbres. Mes bien-aimés, écoutez-moi. L'autel contre autel. Car le réveil qui est en train d'arriver ne sera pas d'abord un réveil de miracles. Pas d'abord un réveil de pouvoir. C'est d'abord un réveil de piété. Un réveil de piété. Oui, nous avons accepté.
que nous étions tombés dans le péché. Mais l'heure qui est en train de venir. Observez ce qui se passe. L'iniquité est en train de s'accroître dans le monde. Même dans l'église. L'iniquité est en train de s'accroître. C'est pourquoi mes frères, la guerre des adorateurs, avec le réveil qui arrive, ce n'est pas une guerre de pouvoir. Mais pour le réveil. Les bâtisseurs d'hôtels vont apporter le réveil. Le réveil de la piété. Vous verrez dans les jours qui vont venir. Si vous avez rétabli votre hôtel, la crainte de Dieu s'emparer de gens. Les gens vont renoncer au mal. Voilà le travail que nous sommes en train de faire en ce jour. Car cette église est appelée à être un nid d'aigle. Annoncer des oracles, des choses qui doivent toucher cette nation. Je parle du réveil de la piété. Lorsque le feu est descendu au mont Carmel, le peuple a dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. Ils ont renoncé à l'idolâtrie. C'est l'Éternel qui est Dieu. Ôtez les dieux étrangers dans vos cœurs. Nous avons nommé le feu maintenant. Nous terminons par là. Tu vas répondre cette prière après moi. Seigneur Dieu, j'ai entendu ton oracle. Me demandant à m'offrir comme un sacrifice vivant. J'entends m'offrir comme un sacrifice vivant. Me voici devant toi. Me voici devant toi. Comme un sacrifice vivant. Comme un sacrifice vivant. J'aimerais te servir. J'aimerais te servir de tout mon cœur, de tout mon cœur, de tout mon cœur, de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute mon âme, de tout mon être, de tout mon être, de toute ma pensée, de toute ma pensée. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta grâce. Je sais, Seigneur. Je sais, Seigneur, que lorsqu'une famille, que lorsqu'une famille commence à bâtir des hôtels, commence à bâtir des hôtels, cette famille va être agressée par l'ennemi. Cette famille va être agressée par l'ennemi. Je sais, Seigneur. Je sais, Seigneur. Maintenant que j'ai tout rebâti dans mon cœur. Maintenant que j'ai l'hôtel bâti dans mon cœur. Je vais être l'objet de combat. Je vais être l'objet de combat. Je viens implorer ta grâce. Je viens implorer ta grâce. Et ta miséricorde. Et ta miséricorde. Toi, tu m'as dit. Car tu m'as dit. Ils te feront la guerre. Ils te feront la guerre. Mais ils ne te vaincront pas. Ils te vaincront pas. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Manifeste ta grâce dans ma vie. Manifeste ta grâce. Manifeste-toi dans ma vie. Manifeste-toi dans ma vie. Je viens maintenant. Je viens maintenant. Demander. Demander. Que le feu descende dans ma vie. Que le feu descende. Que le feu descende dans ma vie. Que le feu descende. J'ai besoin du feu. J'ai besoin du feu. Comme signe que tu m'as agréé ce soir, que tu, m'as agréé que ce tu soir. As agréé mon sacrifice, agréé mon Seigneur, Dieu, Seigneur Dieu, que le feu descende, que le feu descende, que le feu descende, le feu de ton esprit, le feu de ton esprit, descende dans ma vie maintenant. Car tu dis, le Dieu qui répondra par le feu, réponds-moi éternel, réponds-moi éternel. Gardons silence et sens maintenant ce travail dans ta vie. Oui. 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 Y a-t-il quelqu'un d'autre? Oui. Que le feu descende éternel. Moto Ekita. Oui, ça commence. Et bandit. Ça commence. Et bandit. Dieu est derrière sa parole. Zambaza simalilo banaye. Dieu est derrière sa parole. Zambaza simalilo banaye. Éternel. Yahweh. Que le peuple sache. Libota bayeba. Que tu es Dieu sur pigeon.
Et tu es Dieu à l'APC. L'APC est ton sanctuaire. Que ce peuple sache que la RDC est à toi. Et RDC oh Dieu, réponds-nous. Oh Dieu, réponds-nous. Il y a des gens qui sont, te sont offerts en sacrifice. Je prie maintenant que le feu descende jusque-là à l'extérieur. Que nos mains soient levées. Il y a quelque chose qui se passe. Je sens un grand vent souffler maintenant. Je sens un grand vent souffler. Parce que les autels se sont renversés. Et le feu de Dieu descend. Feu! 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 Que le feu descend. Que le feu descend. Oui, quelque chose est en train de se passer. La gloire de Dieu est en train de toucher son peuple. La gloire de Dieu est en train de toucher son peuple. Oui, vous avez fait vos sacrifices. Quelque chose se passe maintenant. Le soir. Que les grâces se renouvellent. Que les grâces se renouvellent. Que les grâces se renouvellent. Car il a dit dans sa parole que dans les derniers jours. Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Nous avons besoin des visions, des paroles de connaissance. Nous avons besoin des dons de puissance. Que ce don se renouvelle maintenant. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La combo na Yesu. Ikende hori eria. Ikendolori akendore shekeri. Irekenderori akaria boshiker. Qu'il soit levé un autel d'adoration dans vos cœurs et dans ces lieux. Je viens passer un autel d'adoration à partir de tous ces sacrifices. L'autel d'adoration dans nos vies. L'autel d'adoration dans ce sanctuaire. Oui. Je viens lever cet autel en ces lieux. Au nom de Jésus. La combo na Yesu. Au nom de Jésus. La combo na Yesu. Que cet autel s'élève dans nos vies. Le Dieu qui répondra par le feu. Zambé wa koyalola la moto. C'est celui-là le véritable Dieu. Yewa na zamba solo. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Yonkolo. Oui, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. Matondo Kolo. Maintenant, nous voulons t'offrir Kolo Tinguo Bonzelayo. Ce que toi-même tu nous as donné. Oyomoko Opesa Kibiso. Nous te l'offrons avec action de grâce. Tu bonzelio yango na rozungisa matondi. Au nom de Jésus. La kombo na Yesu.